What's a man got to do to get that kind of attention from you? It's hard to say exactly, but you seem to be doing fine. Well, great. Though truth is, it ain't me that wants you. Oh? No, Miss Jacqueline Natler does, from Natler Technologies. You know, creator of all things bright and beautiful. Seal it, Larson. Ma'am. Feast your eyes on this, Lara. How does that make your wallet rumble? I'm sorry. I only play for sport. Then you'll like a big park. Peru. Vast mountain ranges to cover. Sheer walls of ice. Rocky crags. Savage winds. And there's this little trinket. An age-old artifact of mystical powers buried in the unfound tomb of Qualapec. That's my interest. You could leave tomorrow. Are you busy tomorrow? Donc, bonjour tout le monde, c'est Valérie. Dans le fond, ça va être le premier Let's Play de la chaîne Maxine sur YouTube. En fait, Tomb Raider 1, c'est un des premiers jeux, si pas le premier jeu qu'on a joué en live sur Twitch. L'année dernière, en 2018, je pense que c'était environ au mois de mars, mois de février, là. Bref, fait que quand on l'avait joué sur Twitch la première fois, c'était... c'était notre premier playthrough, on n'avait jamais terminé ce jeu-là. Là, on l'a terminé, mais on l'a pas eu à 100%. Fait que pour les vidéos YouTube, je vais tout faire mon possible pour l'avoir à 100%. Je vais faire mes recherches avant chaque niveau et tout, et tout, et tout. Donc, let's go! C'est parti! Hello! Donc, on passe ça. Let's go avec le premier niveau, Caves. C'est un jeu qui m'a beaucoup marqué depuis mon enfance. Comme je dis, la première fois que j'ai fini, c'était vraiment sur Twitch l'année dernière. Mais quand j'étais plus petite, mon frère l'avait sur la Sega Saturn. Ça m'a toujours... quand je regardais jouer, là, ça m'a toujours... Ça m'a marqué, mettons. Donc, le premier secret est ici. Juste à slider. Et voilà. C'est assez facile. Petit medpack. Je pense que ça donne environ 40% de HP, là. Thank you.
On a déjà notre deuxième secret. C'est ici, sur le coin. Puis je me suis fait avoir, en tout cas, du coup, sur la version sur Steam, je sais pas si c'est pareil partout, là. Mais souvent, quand j'essaie de monter des places de même, je saute, puis après ça, je pèse le action button pour m'agripper. Mais ici, c'est mieux juste de directement peser le action button. Donc, un autre petit medpack. Parce qu'il va y en avoir des gros aussi. Je suis désolée, ma voix est pas top. Je tousse beaucoup ces temps-ci. Donc, désolée pour ça, ça va être un peu raqué comme voix. Au cas où, je m'en souviens pas s'il y avait quelque chose ici. Non, je pense pas. Je vais avoir un trou dans ce coin-ci. Et voilà. La première switch du jeu. Ça a été pendant un temps mes animaux préférés, les chauves-souris, quand j'étais plus petite. Je les trouvais cool. Je pèse trop. Quand tu pèses deux fois sur un bouton direction, elle fait comme un roll. Ouais, c'est ça. C'est quand je veux le faire que ça marche pas. Mais bon. J'ai aussi un autre bouton pour le faire. Continue. Ici, il va y avoir des wolves. Il y en a un de down. C'est quoi qu'on a, man? Attends, pour la caméra. Ok, c'est ça. On peut regarder. Ouais. Il est où l'autre? Ah, il est là. Et voilà. Ok. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'attaquer à un ours. Attendez un peu. Oui, oui, vous avez bien compris. Un ours. Ça le pogner d'ici, mais je pense que je vais faire. Je vais le laisser se. Et voilà. Non, il est allé se cacher. C'est pas grave. On va lui dire un petit allô. De ça. Quand on a un petit medpack de l'autre côté, la dalle qui est en bas, c'est pour ouvrir la porte. Fait que c'est pour ça que je l'ai un peu évité. Le dossier ours est réglé. On continue. Là, on a juste à sauter de l'autre côté. Je me souviens de la version Sega Saturn, il y avait comme un gros
cristal de l'autre côté là, parce qu'avant il fallait saver avec des cristaux. Comme là, on joue sur la version Steam. Donc on peut saver n'importe quand, tant mieux. Mais je pense qu'il y avait une version PC où on pouvait saver n'importe quand aussi dans le temps là. Mais je suis pas sûre. Peut-être que vous pouvez me confirmer ça dans les commentaires là. Mais je sais que sur console, c'était un petit peu plus rushant parce qu'on pouvait pas saver comme on voulait, donc il fallait pas rater notre coup entre les save points. Donc il y avait un mini medpack sur le côté gauche ici. Ici, on a notre troisième secret. Bien camouflé. Et un gros medpack. Ceux-là vont vraiment healer toute ta vie. Oups. Moi, j'aime ça foncer dans les murs avec la voix. Et on a aussi un autre medpack caché là-bas. Donc ici, il y a un timer pour la porte qui est là-bas. Fait qu'il faut qu'on se dépêche pour se rendre. On continue. On ne regarde pas en arrière. Hello, toi! Ok, je vais quand même un petit peu explorer ici. Je me souviens pas s'il y avait peut-être des medpacks cachés. Je ne pense pas, par exemple. Non, je pense pas. Ça, c'est vraiment pour monter. On est correct, je pense. Continuer. Il y en avait deux. Bref, un gros medpack ici. On va voir si il y en avait un deuxième. Non! I guess not. Je vis dangereusement. Donc ça, c'était le premier niveau. Donc, je pense que j'ai tout. J'ai les 3 sur 3 secrets. Je sais pas si 7, c'était le maximum des pick-ups. Okay, à la prochaine, tout le monde. Puis, si vous avez aimé, abonnez-vous. Donnez-nous un like. Donnez-nous un peu d'amour. Ça serait vraiment nice. Puis, bonne journée à vous, là.